L'ange numéro 23, Mélahel. Il régit du 12 au 16 juillet. Il est l'ange de la guérison et de l'alimentation saine. Son énergie agit comme une plante médicinale et nous aide à comprendre que l'on peut s'auto-guérir lorsque l'on comprend et transforme la cause profonde de nos blessures. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Capacité de guérir. Médecin, guérisseur, pharmacologue, scientifique. Naturopathie, herboristerie, sciences naturelles. Connaît les propriétés des plantes médicinales. Faculté d'agir soi-même comme une plante médicinale. Nourriture et culture saine. Pacifiste et apaisant. Aptitude à comprendre que les aliments sains et bien combinés sont de véritables remèdes. Connaissance de tous les cycles et étapes de la chaîne alimentaire. Appréciation et gratitude pour l'abondance divine que l'on ne prend pas pour acquise. Maîtrise des émotions, faculté de s'adapter à toute situation. Foi qui anticipe la connaissance. Protection de l'environnement, respect de la nature. Initié au secret des forces de la nature. Capacité de comprendre les bienfaits multidimensionnels d'une nutrition végétarienne ou végétalienne saine et bien équilibrée. Nous pouvons rectifier les distorsions humaines suivantes. Maladie, malaise, mal-être. Médecine sans conscience. Utilise la médecine uniquement pour s'enrichir matériellement. Pollution nuisible à la végétation et à l'environnement. Sentiments et entreprises corrompues. Difficulté à exprimer ce que l'on ressent et à improviser.
agriculture et nourriture artificielle. Esprit polluant et destructeur, pensée malsaine. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Blessure, la guérison des. Brûlure. Crampe. Fièvre. Homéopathie. Infection, inflammation. Intoxication. Jardinage. Maladie incurable. Nutrition. Parasites. Peau. Plantes. Pollution. Varices. Douce pensée angélique. Thank you.